Je pourrais parler de mes chevaux pendant des heures parce qu'ils sont tous très particuliers, voilà, au même titre que des personnes, hein, sauf que bah, voilà, je connais mieux les chevaux parce que c'est ma passion, hein, j'ai décidé très tôt que j'allais faire ça. En équitation, il y a une forme de collaboration. Nous, on va jusqu'au couple. C'est vraiment la symbiose. Nous, on prend l'image du centaure, où c'est la tête de l'être humain et le corps du cheval. C'est un peu l'idée quand même. Il y a un partage, on fait des concessions. Il faut, comme dans un couple, ben, on ne peut pas tout imposer. On est soi-même, mais on respecte l'autre, etc. Allez, à toi. Donne celui-là. Merci. C'est un peu ce qui se passe entre le cheval et son cavalier. C'est vraiment cette osmose que l'on recherche avec le plus de légèreté possible. Quand on fait de l'équitation et qu'on le pratique correctement, on ne voit rien. Et à ce moment-là, on peut considérer qu'on commence à monter convenablement. De le vivre, de le sentir, de se mettre à sa place, cette empathie permanente, ça, c'est indispensable.